Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le jour J les amis, le jour que tout le monde attend depuis des mois, l'event légendaire Black Bolt, de quoi se faire plaisir les amis, on va aller le chercher, 7 étoiles pour ma part et aussi 7 RS, donc on va voir ensemble un petit peu ce que ça raconte. Il n'est pas G14, c'est pas le plus gros Black Bolt d'Amérique. Mais quand même, il y a quand même une petite, il y a quand même un petit boui-boui qui se, voilà, il y a quand même un petit bibim. Il est 5 RS actuellement, puisqu'il est 5 étoiles, mais il a ses 7 RS, il a 85 000 de puissance, et il lui manque seulement 4 items pour être G14, full skill, 85 000 de puissance. Je vous propose qu'on fasse le petit event ensemble et qu'on voie un petit peu ce que ça raconte une fois 7 RS G13. Bon, l'histoire, tu vois ce que je veux dire, j'aime bien, mais quand même. Donc là, tous mes persos sont 7 étoiles. J'ai Nazgard à 386k, donc ça devrait quand même être assez, assez suffisant pour ce qu'on veut en faire. Le Black Bolt 7 étoiles que j'attends depuis tellement longtemps que je me souviens même pas, les amis. Perso qui va nous décanter un petit peu le raid. Et un petit peu l'arène aussi, parce que c'est un petit peu juste 5 étoiles 5 RS. Moi, j'avoue que un petit 7 étoiles 7 RS, là, ça va pas être la même. Ok, du shield, incroyable. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Qu'est-ce qu'on défonce? Le heal? Boum, tu dégages. Ah, il est chaud, ils sont chauds, attention. Hop, je te break def. Tac, tac. Profite parce qu'attention, ça va piquer. Attention, pouf. Ah oui, on en est là. Ah, mais j'ai un petit Black Bolt avec moi, mais c'est perfect ça. Oh, un Ultron les gars. Je vois qu'il y a un Ultron. Ils ont fait des folies. On provoque, pouk, tu dégages. On va aller... On va aller chercher l'Ultron, je pense. De toute façon, il en reste 12. Bon, c'est pas non plus... c'est pas non plus la difficulté incarnée. Hop, on va faire ça. Bim. Je pense que je vais bientôt AOE, là. Je pense. Ah, du coup, vu que je l'ai pas tué avec Black Bolt. Mais c'est pas trop grave. Allez, tu dégages. Voilà, on va aller chercher le Mordo parce qu'il va nous... il va nous break heal. Va nous empêcher de nous heal et ça c'est vraiment problématique. Bon, je pense que ça va aller. Il reste 12 persos, il en avoir 8 ou 10 là sur le tapis. Ok. Mais profitez parce que quand je vais à haut avec mon super nouveau Black Bolt, et bim! Et tout. Ouais, le nettoyage qu'il va te faire. Paf. Ah non, bah. Oh. Ah voilà, je me disais aussi, tiens, il nettoie personne. C'est quoi ce bordel? Ok, c'est les 5 derniers qui sont là. 4. Ah non, il en reste. 5 sur 18. Ah, il restait quelques boui-boui. Ok, donc plutôt simple. On va aller chercher le... On va aller chercher le Mordo. Donc ça, c'est la 6ème étoile, les amis. On va faire les deux, 6 et 7. Et après, on va aller le up, voir un petit peu la puissance que prend en tout ce petit personnage de type force empathique. Ok. Tac, tac. Il ne reste plus que Ghost Rider. On va le tomber dans le plus grand des calmes. Tac, hip, hop, Tsunage. Voilà, allez, tu dégages. Ok, donc déjà 6 étoiles. En plus, on va prendre un petit peu d'or. Donc ça fait plaisir, c'est la famille. Ça fait quand même pas mal plaisir, un petit peu d'or. En plus, là, aujourd'hui, il y a deux chocs, là. Il y a le choc d'équipement violet et le choc d'équipement orange, ce qui fait qu'on prend un petit peu d'or. Bon, c'est quand même pas transcendant, mais c'est quand même un petit peu d'or en plus. Allez, on va voir la suite. Là, c'est pas la même limonade, c'est pour l'avoir 7 étoiles. Le perso qui va nous libérer de la galère, les amis. C'est l'un des persos les plus intéressants à monter 7 étoiles. Et ça... Voilà. Non, je suis surtout très excité parce que ça fait longtemps que je l'attends. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent depuis longtemps. Donc là... Ok. Oh, il y a une petite Minerva, les amis. Ok. Oh, ils ont pas trop de life. Ça devrait aller. Je la one-shot probablement. Ah, je la one-shot pas. Bon, après, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah vas-y. Hein. Vas-y, je la tue. Hein. Tant pis, je vais pas spread le break def, mais je la tue. Pas le choix. Faut y aller. J'ai pas le temps. Qui c'est qui est en train de se faire défoncer? C'est mon Loki qui se fait défoncer. C'est incroyable, ça. Bon, après, c'est pas grave. De toute façon, à partir du moment où je la passe... pourquoi j'ai pas spread là-bas? Ça n'a pas trop d'importance. Hop, on provoque. On va peut-être aller chercher le Zigouigoui là. Parce que lui, il va nous faire des petits dégâts à chaque fois. Hop, allez, voilà, tu dégages. Me voilà. Oh, calme-toi parce que je vais... tu sais pas ce que je vais te mettre. Hein. Mon Asgard est à presque 400k, tonton. On n'est pas le dernier des Mohicans.
Ok, bim. Voilà, comme ça, mon Loki crèvera pas. Ah, il y a une petite est là aussi. Bon, elle la défonce très très rapidement. Et paf, Chocapic. Ah, petit nettoyage en bonne et due forme. Petit nettoyage en bonne et due forme. On va aller chercher le Docteur Strange avant qu'il reste. Bon, pas trop de difficultés sur les 20. C'est moyen, quoi. C'est déjà plus dur qu'une campagne 20, mais c'est pas non plus incroyable. De toute façon, le truc, c'est que tu montes ton Asgard, en fait. Hein. On est en 2020, les gars. On monte notre Asgard. Qui dit qu'il monte son Asgard dit que forcément, avec la conjoncture actuelle, t'arrives à faire cet event sans trop de soucis. Quoi. Hop, hop. Elle se fait mal toute seule. Et bim! Ça y est, le passif qui proc en fin de ce tour. Je me faisais tellement pas toucher. Rends-toi, Thanos. Tu es vaincu. Victoire! La vie d'un homme qui change à cet instant T, les amis, ça va être assez incroyable. Dire que je raid en U7 difficulté 5 avec un Black Bolt 5 étoiles 5 RS. Alors je sais, certains vont se dire, oh, quand même, il abuse le mec, un Black Bolt c'était 5 étoiles 5 RS. Ben, je vous garantis que ça va pas être la même limonade. Bon, parlons peu, parlons bien. On est à 85K, on le fait passer 6 étoiles 6 RS et c'est le up envers... Et contre tout, 10 000. Pouh, 10 000 de puissance déjà, il prend. Ah, il va dépasser les 100K, mais easy peasy le bordel. Et la 7ème étoile, 7ème RS, les potes. Qui passe à... 113 000 de damage. De puissance, de damage, le mec totalement, totalement à l'ouest. 113 000. C'est un monstre. C'est un monstre, donc deuxième perso au-dessus de 100K, 113K, fait voir un petit peu, 239 000 de vie, ah là ça va pas être la même, 23 000 de dégâts, un jour il passera G14 en plus, hein. bientôt, quand j'aurai fini à DD3, on est en route les amis, troisième perso à plus de 100K, pardon, autant pour Watt, ouais, tout à fait, j'ai aussi Ella, qui est que 5RS mais qui est G14, 113 000, 111 000 la cristal. J'ai deux persos 7RS dans mon inhumaine. Du coup, ce qui me fait passer une inhumaine de type assez incroyable à complètement folle, je pense. Elle a dû dépasser l'attente. Hop, elle est où? Elle est à combien de puissance maintenant? Je pense que c'est ma plus grosse team. 113K Black Bolt. À mon avis, c'est ma plus grosse team. Elle est à 400K. Première team au-dessus de 400K. Alors, je vois sur Facebook de la commu des gens qui sont contents de passer leur première team à 500K. Moi, je suis content de passer ma première à 400K, les gars. Ah, 113K. Et ma team raid qui passe du coup à 444 000 de puissance. Et ben ça commence à être un petit peu plus sympathique. Bon, là, je pense que les dégâts vont être complètement différents. On se retrouve ce soir à 20h en live sur Twitch et on va se tester ça en raid les amis, venez, c'est la famille, ça fait plaisir, merci à tous.